Bonjour, mon Dieu qui me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes bien assis dans votre salon ou vous me regardez sur la tablette ou sur le cellulaire. Il me fait plaisir d'être avec vous. On entend parler ces temps-ci d'une deuxième vague de la COVID. Bon, vous allez me dire, non, pas encore la COVID, on veut entendre parler d'autres choses, on entend parler à tous les jours. On veut avoir du fun, on veut rire, je suis d'accord avec vous. Mais le sujet dans lequel je veux vous parler, c'est que je veux vous interpeller à faire un choix. Et je lisais un texte qui était « La peur ou la confiance ». Puis je me disais, tiens, pourquoi ne pas leur parler de ça? Parce qu'à travers justement de la deuxième vague, moi, un effet que je vois qui se produit dans le cœur des gens, c'est la peur. La peur surgit dans le cœur de l'homme, de la femme, de l'être humain, à travers tout ce qu'on entend. Hein? On a peur de revivre la solitude. On a peur d'être mis à l'écart. On a peur d'être coupé de la communication avec nos familles, d'être touché par la maladie. On a peur de revoir des horreurs de situations chez les personnes âgées. On a peur de perdre son commerce. On a peur de perdre le travail. On a peur de perdre notre maison. On a peur, dans le fond, d'être obligé d'être confiné. Hein? On a peur. Même si moi, je fais tout ce qu'il faut, des fois, on peut avoir peur. Puis la peur fait quoi? Nous paralyse. Elle nous paralyse. C'est sûr qu'on a entendu des belles choses qui s'est passées au début, là, quand la COVID a commencé. Il y a de très belles choses qui s'est fait. Mais là, la deuxième vague, là, on y a goûté, puis là, on va y regoûter encore, puis on ne la trouve pas drôle. C'est pour ça que la peur est plus portée à nous envahir. Parce qu'on se dit, on s'en va où avec ça? Et si nous choisissions aujourd'hui de vivre dans les événements l'espérance, d'ouvrir nos cœurs pour entendre la voix de la confiance qui, elle, veut se faire rassurante? J'ai le choix. Je fais le choix de vivre la peur, de me laisser prendre par elle, ou je fais confiance dans l'espérance. Hein, la semaine passée, ça m'est arrivé. La semaine passée, je parlais avec une personne, puis la personne vivait des choses très difficiles. Fait que j'y ai tendu la confiance. On a parlé de la confiance dans les événements. Puis ça l'a aidé. Ça n'a pas changé ses événements, mais ça a changé son attitude de cœur dans l'événement. Puis c'est ça qui est important. Je trouvais aussi que ce qu'on vivait, ça ressemblait à la tempête apaisée. Hein? Quand les disciples partent avec Jésus en bateau, puis là, la tempête arrive, là, les disciples, ils s'énervent, ils ont peur parce qu'il y a des grosses vagues, puis là, lui, il dort. Puis là, les autres disent, « Hey, Jésus, on va mourir, réveille-toi, fais quelque chose. » Puis pourtant, c'est des hommes, des bons gaillards, là, hein? Et qui étaient habitués d'être sur l'eau. Mais ils avaient peur. La peur les avait envahis. Vous n'avez pas pensé une minute là, que si Jésus dormait, c'était peut-être parce que c'était pas si épeurant que ça. Des fois, je me demande ça. Mais il n'empêche qu'ils étaient sur l'eau. Et l'eau, c'est un élément qui déstabilise. Hein? C'est pas la terre ferme là, où on s'en va et on sait qu'on a le pied solide. L'eau, c'est des vagues, on ne sait pas trop. Tu sais, c'est une instabilité. Mon mari, moi, il a déjà eu un bateau, puis on est allé au lac Saint-Pierre quelques fois, puis il y a des fois que je n'étais pas grosse dans le bateau, parce que les vagues étaient grosses, puis il nous amenait où il y avait des algues, puis j'ai eu peur cette fois-là. Je n'ai pas aimé ça. Je trouve que la parole de Dieu de la tempête apaisée est parlante. Parce que on sait que tout changement fait peur, puis que ça réserve des surprises. Hein? C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu, un changement. Mais un changement, des fois, ça apporte la vie. Ça apporte quelque chose de nouveau. Hein?
On n'a pas besoin d'être marin, d'avoir le pied marin ou d'être marin ou d'avoir été souvent sur l'eau pour savoir que la situation dans la tempête apaisée, c'était épeurant puis qu'il y avait peur de couler. Le texte du pape François, je trouve qu'il est rassurant. Ne nous laissons pas aller à la panique, mais à la co-responsabilité. La prière et le service discret, ce sont nos armes gagnantes. Le Seigneur nous interpelle et est au milieu de notre tempête. Il nous invite à nous réveiller, puis à activer la solidarité et l'espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Il termine en disant « Stimulons la grâce qui nous habite. » Wow! Stimulons la grâce qui nous habite. Déposons-lui en Jésus nos craintes, nos soucis. Stimulons en nous la grâce qui nous habite et ne restons pas passifs devant ce qui se passe, mais soyons des personnes qui correspondent, qui collaborent, qui entraîne vers la confiance, qui entraîne vers l'espérance, qui se tourne vers ceux qui sont dans le besoin, surtout les plus vulnérables. Tournons-nous vers les gens qui ont besoin. Ça aussi, ça enlève la peur. Le Seigneur prend soin de nous, mais à travers nous. Il prend soin de nous à travers ceux qui sont à la direction, à travers les personnes soignantes, à travers les animateurs, à travers les employés, à travers nos proches, à travers un ami, à travers nos voisins. Il prend soin de nous. Puisons notre confiance en vivant le moment présent et soyons audacieux en témoignant de nos convictions puisque nous sommes aimés de Dieu, aimés de ceux qui sont là autour de nous et qui nous veulent du bien. Il y aurait tant à dire. Il est important de saisir que la confiance que le Seigneur nous invite à vivre, ce n'est pas une confiance aveugle dans les événements, mais une confiance appuyée sur des outils de discernement, de réflexion réaliste et responsable. Agir en toute confiance, c'est de ne pas laisser nos peurs d'avoir le dernier mot. Il faut savoir mettre des mots sur nos peurs, apprendre à les accueillir et à prendre soin de soi en prenant le temps de s'aimer dans l'agir. Ainsi, on peut libérer la vie en soi. Laissons la confiance venir habiter notre cœur de sa présence qui nous guide en chemin. On a le choix. On laisse la peur nous envahir ou on fait confiance dans l'espérance. Je vous laisse choisir.